Bonjour. Voilà, donc j'ai fait la vidéo du vernis, mais je vais mettre en intro cette petite vidéo pour vous dire que ce téléphone est dispo à la vente. Je vais répéter, sans doute vous avez déjà entendu, j'achète mes téléphones avec mon propre argent, je les paye au prix normal. Je suis une petite chaîne, donc voilà, je suis obligé. J'ai pas d'autres moyens, on m'envoie pas de téléphone, donc ce téléphone est à vendre pour acheter un autre téléphone. J'aurais bien aimé tester le téléphone U. Donc voilà, si vous cherchez, si vous aviez l'intention d'acheter ce téléphone ou vous cherchez un téléphone, contactez-moi, je mettrai l'adresse dans la description de la vidéo, une adresse mail pour me contacter. Et je vais vendre aussi mon Redmi Note 4 en Global Edition. Je ne peux pas vous le montrer puisque je filme avec. Il est dans un état nickel. Il est comme neuf. Il a 5 mois. Donc il est disponible aussi. Donc si vous cherchez un téléphone, un super téléphone, j'adore, hein. En fait, pourquoi je le vends? Parce que je vais changer, je vais sûrement changer pour le Redmi 5 Plus, mais bon, je vais essayer de le vendre pour financer mon futur téléphone. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous en parler. Je vous remercie de m'avoir suivi. Mettez un pouce pour la vidéo qui va suivre Vernis. Abonnez-vous. À bientôt. Ciao. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le test du vernis X. Alors, vous avez dû voir le déballage, sinon je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, je l'ai laissé dans sa coque pour le début de cette vidéo. La coque avec des angles renforcés. Ça, vous avez dû le voir dans le déballage aussi. On va enlever la coque pour le test. Alors, en intro, vous avez dû voir des photos du produit. Donc, je vais vous le montrer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est satiné, donc pas de traces de doigts. Ça c'est sympa, c'est agréable. Donc, vous avez ici les antennes, en haut et en bas. Sur la droite, bouton volume plus, bouton marche arrêt. Au-dessus, vous n'avez rien. Ici, vous avez le tiroir SIM, le port USB-C, haut-parleur micro. Bon, tout ça, normalement, vous avez vu un double capteur, double flash. Vous avez vu durant le déballage. Donc, c'est un téléphone qui est pas si lourd que ça, parce que malgré sa batterie, 6200 mAh, il fait moins de 200 grammes, 198, je crois. Donc, c'est un écran 18/9, donc agréable à prendre en main. Il est plus léger que le Huant 6-8, hein, le dernier que j'ai testé, je crois. Le Huant 6-8 devait faire 210 ou 215, je sais. Pourtant, il avait une batterie deux fois moins, je crois, 3005, un truc dans ce goût-là. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, celui-là, il est quand même assez léger. Pourtant, une grosse batterie. Une batterie de 6200, je l'ai déjà dit. Donc très agréable en main. Alors bon, on va en parler quand je parlerai de l'écran. L'écran est traité, hein, contre les traces de doigts et les rayures. Donc ça, là, s'il y a quelques traces, et encore, ça prend pas facilement les traces. Mais quand ça les prend, voilà. Ça se nettoie. Donc, à mon avis, il est traité. Il parle pas de Gorilla ou autre, Dragon Trail ou autre.
Mais il y a un traitement, en tout cas, ça c'est certain. Donc ici, un double capteur photo, un flash, une lettre de notification, le haut-parleur. Donc voilà, là c'était la partie design. Donc maintenant on va passer à la partie écran. Alors, l'écran, donc c'est un 5,99 pouces en Full HD+, hein, 2160 par 1080. Bel écran, superbe écran. Là, en luminosité, je suis très bel écran. Bon, là, je vais vous mettre un fond d'écran, un autre fond d'écran, que vous puissiez bien voir l'écran, sa forme, etc. Donc vous voyez, les angles sont arrondis. Donc l'écran, il est chouette, hein, il n'y a rien à dire. Et puis avec son traitement, là c'est vachement agréable. C'est un peu comme mon Redmi Note 4. Pareil, il a le même traitement. Alors il parle pas de Gorilla, tout ça, mais il a un traitement. Ça c'est. Donc, superbe écran, je vais vous montrer. Alors il n'y a pas de galerie dans le téléphone. J'ai dû télécharger un APK, enfin un logiciel galerie, vous voyez. Donc du coup j'ai de la pub. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Non, l'écran il est très beau, bien contrasté. Les couleurs sont bien. Alors, je vais vous montrer une vidéo aussi. Alors, c'est une vidéo en 720, c'est pour ça qu'elle ne fait pas tout l'écran. Voilà, l'écran est super. C'est un 10 touches. Donc multi-touche 10 points. Donc voilà, rien à dire sur l'écran, magnifique. Donc on va pas s'attarder. Donc le hardware. Alors le hardware, j'ai fait une vidéo spécifique avec Antutu, tout ça, donc je vous invite à aller la voir. Je mettrai le lien aussi dans la description. Donc le hardware, je vais vous rappeler quand même que c'est un Helio, un MediaTek 6763 V. Donc c'est le Helio P23, avec un GPU Mali G71 MP2. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage ROM de mémoire. Donc largement ce qu'il faut, quoi. Et là, je suis sûr aussi. Voilà.
il consomme 3 gigas, alors qu'il n'y a rien en arrière-plan. Bon. Enfin, 6 gigas de RAM, il y a de quoi faire. Donc pour le hardware, je vous invite donc à aller voir le AnTuTu, hein. Bon, je vais quand même vous montrer. J'ai dû avoir une capture d'écran. Le AnTuTu, il avait fait le nouveau, hein, le 7.2. Le 7.704. 77 577, donc ce qui est pas trop mal. Donc pour le hardware, oui, le réseau, donc ici c'est la SIM 2, donc la SIM 2, vous avez 2G, 3G, et ici la SIM 1. Voilà, donc bande 1, bande 3, bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20. Donc tout ce qui nous intéresse ici en France. J'avais fait aussi un test que AnTuTu proposait, un test de HTML5. Donc j'avais fait ce score, on s'en sort pas trop mal, hein. On est au-dessus d'un Gouni S10, bon, je connais pas. En dessous d'un Xiaomi Mi Max. Au-dessus d'un Huawei P8. Donc, hardware, c'est du lourd, hein, c'est du costaud. Donc, voilà. On va passer maintenant à la partie logicielle. Alors, logiciel, c'est de l'Android, hein, c'est du stock, oui et non, enfin c'est basique, hein, parce que c'est juste une petite surcouche, un petit launcher VOS, Verni OS, qui est basé sur Vanilla, la ROM Vanilla de Google, donc sur Android 7.1.1. J'ai pas eu de mise à jour. On est sur une ROM qui date du 17 janvier, donc la dernière mise à jour. Elle a dû être faite avant que je le reçoive. Donc software, qu'est-ce qu'on a de spécifique là-dessus? Wi-Fi, Bluetooth, tout ça. Alors, dans les options, voilà, c'est là les options. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est traduit. Souvent, les options ne sont pas traduites. Alors, ici, c'est traduit, hein. Appuyez deux fois marche arrêt pour caméra. Donc, tac-tac, deux fois d'un coup, ça vous lance votre caméra. Bouton marche arrêt pour accrocher lors d'un appel. Ici, donc, la barre de navigation. Vous changez le sens de la flèche retour. Et ici, avec le petit logo pour descendre la barre de navigation. Et puis ici, vous pouvez choisir de la cacher ou de ne pas la cacher. Geste de mouvement. Bon, c'est trop, y a pas grand-chose. C'est capture d'écran, trois doigts. Et ici, vous retournez pour couper le son. Après la barre d'état. Alors la barre d'état, c'est tout ce qui va s'afficher sur la barre en haut. Donc tout ce si vous il y a des choses que vous voulez pas qui s'affichent, ben, il suffit de les désactiver. Moi j'ai tout activé, puisque tout est intéressant. Voilà. C'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Après, bon voilà, après affichage, vous avez le Miravision. Je ne sais pas si on en a parlé au déballage. Donc avec les réglages, là il est en couleur chaude, hein, c'est pour ça que. Et puis le fameux contraste dynamique que j'ai activé. Voilà, alors rien de particulier. Rien de space.
Donc le launcher, voilà, c'est du. Enfin, moi je l'ai bidouillé, hein, mais c'est du. Ça ressemble au Google No. Voilà, moi je suis pas fan de ce genre de launcher, mais bon, après c'est chacun ses goûts. Donc fluide, super fluide. Hein. Il est très agréable pour ça, c'est super fluide. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pas de stable, pas de bug, rien. Vraiment pas de bug, pas de problème, aucun problème. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, finalement là-dessus. Après, bon, on peut mettre un autre launcher si on n'aime pas ce genre de launcher. Hein, il y a plein de launchers sur le Google Play. Donc voilà, on va passer aux photos. Alors l'appareil photo. Oui, alors, donc, si, une chose que j'avais oubliée, donc, vous n'avez pas d'application musique, vous n'avez pas de galerie d'installer. Donc, pour la photo, par exemple, ben, c'est Google Photos. Alors, bon, c'est bien et c'est pas bien. Et pour la musique, ben, c'est Play Music, qui doit être par ici. Voilà. Bon, alors ça, c'est pas trop gênant, ça, pour écouter la musique. Voilà. Donc, c'était pour revenir sur le launcher. Donc, j'ai passé aux photos. Donc, photo, le logiciel photo. Pareil, il est assez simple. Il n'y a pas de fioritures. Changer d'appareil photo, le flash, ici les réglages, si vous voulez l'HDR, vous le mettez ici, puis ici vous avez quelques réglages, donc info, c'est-à-dire si vous voulez localiser vos photos, détection de visage, alors la taille de prévisualisation, 4 tiers ou 16 neuvième, la taille d'image, donc là je suis à fond en 16 mégas, et le retardateur, ça je sais pas. ZDS, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être la stabilisation. Capture. C'est peut-être par rapport au nombre de captures quand on maintient appuyé. Enfin voilà. Donc ça, ce sont les options pour la partie photo. En vidéo. Voilà, vous avez la qualité vidéo, alors élevé, c'est tout. Activer le micro ou pas, pareil, info de localisation. Après, hein, vous avez Face Beauty, le mode blur, mode bokeh quand vous voulez, un mode mono, un mode panorama et un mode pro, où là vous pouvez. Vous amuser à faire des réglages. Donc ça c'est pour le logiciel photo. Les photos, ben, je vais vous en mettre 2-3 en incruste, mais sinon vous pouvez, j'en ai fait beaucoup et vous pouvez les voir sur l'article que je vais faire sur mon blog. Où là vous aurez toutes sortes de photos, blur, sans blur, flash, sans flash, de nuit, de jour, des vidéos aussi, des petites vidéos que j'ai faites. Je peux déjà vous montrer. Alors, Et la pub. Ça, c'est une photo que j'ai prise 2 jours. Enfin, il faisait jour. Il faisait jour dans mon salon. Ça, c'est une photo que j'ai prise à contre-jour aussi.
Là, c'est avec le zoom x2, parce que vous avez sur la partie photo, vous avez un clic x2. Bon, là, c'est de nuit. Tout ça, je les mettrai sur le blog, hein. Là, c'est à la tombée de la nuit. Donc là, avec flash. Le flash n'est pas hyper puissant, mais... Donc là, c'est deux jours. Voilà, on a eu un peu de soleil aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Une vidéo. Une petite courte vidéo. On entend les gamins derrière. Ah voilà. J'ai fait du blur. Donc vous pourrez les voir quelques-unes en incruste, sinon les autres sur mon blog. Dans l'article. Je mettrai le lien dans la description aussi. Alors, ensuite. Alors, les captures, c'est là. Donc, GPS. GPS, ça va à une vitesse. Je lance, c'est dans le menu ingénieur, hein, on peut. C'est YGPS. Je le lance, boum, 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 ça vient vers tout de suite. C'est très rapide, hein. GPS, il n'y a pas de problème. Bah, tiens, puisqu'on est là, réseau. Donc réseau, ça va. Wi-Fi, nickel. Chez moi, à fond. Mon réseau Wi-Fi. Après, là, c'est de la 4G. Donc... ça va. Il capte bien la 4G puisque je suis toujours en. D'ailleurs, on peut le voir, je suis en 4G. L'autonomie, on va parler après. Ça, je vous ai montré. Donc, je peux. Ici, c'est les captures que je mettrai sur l'article sur mon blog. C'est le SAO, vous voyez, donc c'est le. Parce qu'il y a plusieurs versions apparemment du 67-63. Et ici c'est la version V. Parce que la version originelle, normalement, elle tourne à 2,3 Go. Et ici, elle tourne à 2 Go. 2 Go, 4 fois 2 Go et 4 fois 1,51. Et le Mali G71 tourne à 700. Alors que la version normale tourne à 770. Donc. On va dire que c'est une version soft du 67-63. Il y aura la version normale. Et après, il y aura sûrement une version turbo. Qui devrait, à mon avis, aller jusqu'à 2,5. 2,5 pour le CPU. Alors, évidemment, avec un téléphone avec une batterie pareille, l'autonomie, c'est... C'est la folie. Donc moi, je pouvais tenir 3 jours avec. Pourtant, au début, hein, le premier jour où je l'ai, ben, je le triture, j'installe toutes les applis, je m'amuse à le tester, tout ça. Et nickel, quoi. Ça tient. J'avais fait plusieurs captures, donc j'avais utilisé 75% en 2 jours. Donc en 48 heures, donc 2 jours, c'est-à-dire 2 jours de nuit, 75%, 83% 2 jours et 4 heures. Enfin, comme dirait un collègue Seb, un chameau, un vrai chameau. Donc c'est tout l'intérêt de ce téléphone d'ailleurs, hein, c'est que vous avez une super batterie et finalement il n'est pas si épais et si lourd que ça. Par rapport à certains modèles. Donc, autonomie nickel, quoi. Il y a un collègue d'une autre chaîne, Synodroid, je crois, qui avait des problèmes avec son déverrouillage facial, le Face ID ou Face Unlock, comme il l'appelle. On retrouve ici. Alors, c'est un point.
important, on ne peut pas utiliser le face look et l'empreinte digitale en même temps. C'est l'un ou l'autre. Donc là, j'ai mis le face look pour vous montrer. Je vais vous montrer. Donc si je cache mon visage. Voilà, il ne déverrouille pas. Donc maintenant, je vais me mettre devant. Voilà, le petit cadenas s'est ouvert, il déverrouille. Donc le face look fonctionne très bien. Par contre, si vous avez le face look activé, voyez, l'empreinte fonctionne pas. C'est l'un ou l'autre. Par exemple, le Uansi 8, on pouvait utiliser les deux. Donc voilà, ça c'est dit. Hein, Synodroid disait que le Face Look ne fonctionnait pas. Si, si, ça fonctionne très bien. Donc je disais, on va faire un jeu. On va réessayer le Face Unlock. Voilà. Tac, déverrouillé. Alors, le GPU est quand même plus performant là-dessus que avec le G71 que les Mali T880, T860. Il n'y a pas photo, tous mes jeux, mes petits jeux que je fais habituellement fonctionnent vachement mieux. Voilà, retour à la vidéo. Il a téléchargé. Alors moi je suis une brêle pour ces jeux, hein, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, je vous l'avais dit. Ça marche bien, c'est moi qui marche pas. Là, c'est pas évident, j'ai le téléphone avec lequel je filme devant moi pour essayer de cadrer l'image. Septième, voilà. Ah oui, je vous ai pas fait écouter le son. Bon, allez, ça suffit, il y en a assez. Oui, ça me fait penser que je vous ai même pas fait écouter le son. Alors, le son. Non. Le son, il est pas mauvais. Il n'est pas très puissant, je trouve. Donc voilà le son. Le son est bon et clair, pas de grésillement.
Pas de saturation. Peut-être il manque un peu de puissance, mais c'est tout. Oui, il n'y a pas de jack. Donc voilà, on va arriver aux conclusions. Ce téléphone. Alors là, c'est la version 628. Je l'ai payé 208 et des poussières. Avec le nouveau Helio. Bon, le nouveau Helio, je vous ai fait une vidéo, je vous l'ai déjà dit, je le redis, avec Léon de Toutou, tout ça, où on voit les. Où je l'ai comparé à un Snapdragon 625. Donc il est bien au niveau hardware, au niveau puissance, il est performant, la batterie est super performante, les photos c'est correct, largement correct. Le jeu, bon après moi je joue pas à des jeux hyper performants là, je sais plus, je sais même pas les noms moi je. Donc je sais pas mais j'ai pas testé mais bon. Qualité d'écoute de téléphone, aucun problème. Le Bluetooth, j'ai essayé. Le GPS, j'ai essayé dans la voiture. Tout ça, tout va bien. J'ai rien à redire. Je l'ai pas pris en défaut. Je l'ai pas pris en défaut. Donc, j'avais fait des petites notes. Bon, y a le truc qu'on puisse pas utiliser le Face Unlock en même temps que l'empreinte. Bon, ça peut. Je sais pas. Je ne sais pas si c'est gênant ou pas. Bon. Dans les points négatifs, ouais, voilà, j'avais noté que ça. Rien d'autre à dire. Alors, avec 128 Go de stockage, on est tranquille. 6 Go de RAM, on est tranquille. Enfin, c'est. Et puis il est joli, bon la face avant, c'est un écran, hein, c'est noir. Après l'arrière, on peut aimer ou ne pas aimer. C'est neutre hein, quand même. Donc c'est un téléphone qui quand même qui peut convenir quand même à tout le monde, hein, je trouve. Il n'est pas très lourd hein, par rapport à ces 6000. C'est pour ça que je l'avais choisi, parce qu'il est. Il fait moins du centimètre en épaisseur et il fait moins des 200 grammes en poids. Donc j'avais pris celui-là par rapport au Ulefone Power 3. Parce que. Et puis il est moins cher. Enfin, en tout cas, dans sa configuration 628, il est moins cher. Donc ce téléphone, je recommande. Il n'y a pas de souci. C'est un super téléphone. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller sans problème. Hein, c'est un bon téléphone. Après, si on n'aime pas le launcher, je veux dire, on installe un launcher et voilà quoi, c'est tout. Mais bon, ça reste correct quand même. Hein, c'est pas voilà. Enfin, moi, je recommande. Voilà. Donc, je vous laisse. J'espère que j'ai rien oublié dans mon test. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, ciao!